tous et bienvenue sur ma chaîne. Après avoir passé quelques mois à regarder des vidéos de booktubeuses, j'ai eu envie de me lancer. Ça faisait un petit moment que j'en parlais autour de moi, enfin surtout avec une amie qui, quand elle verra ça, saura que je pense à elle. Et j'ai eu envie de me lancer, j'ai eu envie de partager avec vous ma passion des livres, puisque pour le moment je me contente juste de la partager avec vous via mon blog à portée de plume et via ma page Instagram. Je mettrai les deux liens dans la barre d'infos. Et j'avais envie de passer de l'autre côté de la caméra, ça faisait un moment, mais j'osais pas trop. J'avais un peu peur de la façon dont les gens pouvaient me percevoir, etc. Mais bon, c'était une de mes résolutions de 2017. J'avais envie de me créer une page YouTube et de me lancer, de poster des vidéos. Je ne sais pas encore à quelle fréquence, mais de le faire. C'est bien, ça ne m'a pris que quasiment un mois pour prendre sur moi et me dire « vas-y, lance-toi, fais-le ». Donc je vous retrouve aujourd'hui, enfin, ça y est, me voilà, pour vous présenter, vous faire un petit book haul et vous présenter les livres que j'ai reçus en janvier. Je tiens tout de suite à préciser, si vous entendez du bruit, j'ai mon chat qui est juste à côté et j'ai commis l'erreur de retrouver ses différents jouets juste avant de lancer ce tournage. Donc elle est juste à côté en train de faire la folle, il se peut que vous entendiez des bruits, je suis désolée, c'est le chat. Donc je disais, je vais vous faire un petit book haul. Petit, puisqu'en fait je n'ai que 4 livres à vous présenter. Ceux qui me suivent sur le blog savent déjà qu'en janvier, dans mes bonnes résolutions, j'avais décidé de ne plus acheter de livres. J'ai trié mes étagères, c'est pour ça qu'en fait s'il y a des trous et des endroits ça part un peu vide. C'est parce qu'en fait j'ai fait un gros tri de mes étagères et j'ai retiré tout ce que je n'avais pas lu, tout ce que j'avais lu mais dont je ne me souvenais plus, et tout ce que j'avais envie de relire. Et le bilan, c'est que j'ai une pile à lire de environ 90 livres qui m'attend, sachant que je me suis fixée comme objectif annuel de lire 100 livres, ça laisse peu de place aux achats. Donc j'avais dit, je ne fais plus d'achat jusqu'à fin mars, et on verra bien après. Mais en janvier, j'ai reçu 4 livres, 3 en cadeau de Noël, un peu tardif, et un que j'avais précommandé. Donc on commence tout de suite. Mon premier livre que j'ai reçu cette année, c'est Feuve mort de Taïr et ma fille, chez Penguin Book. Pardon. C'est un livre que j'ai reçu lors d'un Père Noël secret auquel j'ai participé sur Tumblr. Et quand je suis rentrée de vacances, j'ai trouvé ce livre dans ma boîte aux lettres. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai eu envie de lire ce livre. Parce que c'est un livre où les avis, pour lequel les avis sont très mitigés. La blogosphère française, qui a lu ce livre sous le titre « Alice au pays de l'ailleurs », a un avis pas très favorable pour ce livre. Les gens sont souvent déçus quand ils le lisent, alors que la blogosphère anglophone, c'est l'inverse. Ils ont beaucoup aimé ce livre. Donc moi, j'ai décidé de me lancer, d'essayer, mais d'essayer de le lire en anglais, pour voir ce que ça donnait. En plus, je trouve la couverture anglaise beaucoup plus jolie que la couverture française. Je sais pas vraiment de quoi ça parle, mais j'aime pas trop. En fait, j'aime bien, une fois que j'ai un livre sur ma pile à lire, j'aime bien le prendre et le commencer et le lire sans trop lire le résumé. J'aime le côté mystérieux de tu te lances dans un livre et tu sais pas de quoi ça parle. Donc je ne sais pas de quoi ça parle, pas trop, à part qu'il y a un personnage qui s'appelle Alice et qu'elle va voyager au pays de l'ailleurs. Voilà! Donc je vous dirai ce que j'en ai pensé quand je l'aurai lu, mais je ne sais pas encore quand. Ensuite, j'ai reçu un super colis d'une amie qui m'est très chère, donc Akuchi, si tu passes par là, salut, c'est moi. Et ça fait 10 ans qu'on se connaît toutes les deux, et là, Noël, elle m'a envoyé un super colis dans lequel il y avait 2 livres. Le premier, Les anges s'en mêlent de Debbie McCombeur aux éditions de Charleston. C'est une jolie petite romance hivernale. Le genre de livre cocooning que l'on lit enroulé dans son plaid avec une tasse de thé bien chaude à côté, c'est une vraie romance. C'est mignon tout plein, ça se lit vite, c'est hyper agréable.
Je l'ai lu en une journée parce que bah, j'avais besoin d'une petite pause. Mais je vous en parlerai beaucoup plus en détail dans ma prochaine vidéo qui sera sur mes lectures de janvier. Mais c'est mignon, c'est à lire. Akuchi m'a également envoyé un livre de cuisine, La cuisine pour les geeks, aux éditions Solar. On va retrouver des recettes inspirées de films, de séries télé, de mangas, de bandes dessinées, de jeux vidéo, etc. Et on va se retrouver par exemple avec des recettes donc Pokémon, Zelda, Final Fantasy, The Walking Dead, Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, etc. Et moi j'aime beaucoup cuisiner, j'aime bien l'univers geek, donc ce livre il est parfait pour moi et j'ai déjà repéré notamment une recette qui me fait très envie. Ce sont les tartelettes Soro. On fait l'œil avec des morceaux de mandarine. J'aime les mandarines, j'aime le chocolat, j'aime le Seigneur des Anneaux. C'est tout pour moi. Je ne l'ai pas encore testé, mais ça ne saurait tarder. Dès que je l'ai testé, je pense que je ferai un article sur le blog pour vous en parler plus en détail, parce que c'est un livre qui m'intrigue beaucoup. Et enfin, le dernier livre que j'ai reçu, c'est un peu particulier, puisqu'en fait, c'est un livre que j'ai acheté, mais je l'ai acheté au mois de novembre, donc je n'ai pas enfreint ma règle de non-achat. En novembre dernier, j'ai lu Passenger de Alexandra Bracken et j'ai adoré l'histoire de Nicolas et Etta qui se retrouvent à voyager dans le temps. Et lorsque j'ai fermé le livre, ça s'est fini sur un super cliffhanger et j'avais qu'une envie, c'était de lire la suite. Le seul problème, c'est que la suite, elle est sortie le 3 janvier. Et moi, j'ai attendu depuis novembre. Donc en novembre, je suis vite allée sur Book Depository. Et j'ai précommandé le livre. Parce qu'il faut savoir que l'auteur, Alexandra Bracken, proposait sur son site personnel d'envoyer à tous ceux qui avaient précommandé le livre des petits goodies. Et là, j'ai vu sur Instagram que ça y est, elle les avait envoyés. Donc je pense les avoir la semaine prochaine et j'avoue que j'ai très très hâte. Et donc j'ai reçu le livre. J'ai reçu Wayfarer, mi-janvier à peu près. Qu'est-ce qu'il est beau, ce violet, ses couleurs, etc. Il est magnifique. Et quand on retire la jaquette, c'est encore mieux. Tada! Je suis fan de ces livres, je les trouve extrêmement beaux. Ils sont hyper photogéniques, je les ai déjà postés plusieurs fois sur ma page Instagram parce que je n'en reviens pas tellement ils sont jolis. Mais je n'ai pas encore lu l'histoire. J'attends un petit peu avant de le lire parce que j'ai déjà une grosse lecture prévue là en février. Et je pense que j'aurai pas le temps de lire celui-là. Donc je pense que je vais le lire en mars. Mais il me fait terriblement envie parce que je veux savoir la suite des aventures d'Etta et de Nicolas. Et voilà, c'est tout pour ce tout petit book haul. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas voulu acheter de livres. Donc j'ai quand même été raisonnable puisque j'ai respecté mon objectif. Je n'en ai pas acheté. Ça ne m'a pas empêché d'aller plusieurs fois traîner à la Fnac et de faire des petits repérages. J'ai passé des heures dans les rayons à être là. Mais je le veux. Alors que non, je ne veux pas en acheter. Je me suis promis que je n'en achèterai pas. Je vais faire seulement une petite entorse à ma règle. Puisque je participe à un double swap sur Livre Addict. Évidemment, bah, il va bien falloir que j'achète les livres à envoyer à mon binôme. Mais c'est tout, je n'achèterai pas de livres. Pour moi. Eh bien, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma petite vidéo vous a plu. Soyez clément, c'est la toute première fois que je le fais. C'est déjà la troisième fois que je tourne cette vidéo parce que j'ai pas aimé ce que j'ai fait. Je peux être un poil perfectionniste quand je m'y mets. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et laissez-moi, surtout s'il vous plaît, laissez-moi en commentaire vos impressions sur cette vidéo, ce que je peux faire pour m'améliorer. Soyez sympa avec moi, mettez-moi des likes, etc. Enfin, dites-moi comment je peux faire pour m'améliorer surtout. Voilà, j'aimerais avoir vos astuces pour que je m'améliore, que je sois plus à l'aise face à la caméra, ce genre de choses, si vous avez l'habitude. J'espère vous retrouver, je pense, la semaine prochaine ou mercredi peut-être. Ça va dépendre de combien de temps je mets à filmer, à monter cette vidéo. Mais la prochaine pour laquelle je vous retrouve, ce sera pour vous présenter mes lectures de janvier. Parce qu'il y en a eu pas mal. Sur ce, à bientôt et portez-vous bien. Bye !